Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar. Notre invité aujourd'hui est un artiste rap hip-hop de la scène marseillaise. C'est MOH qui est avec nous. Salut MOH. Salut, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Nickel. Pas trop fatigué parce que je sais que la veille, tu as bossé dur. La veille, on a bossé en studio, on a fini super tard, mais je suis en forme. Je me sens bien là, je me sens. Tu es un artiste rap, tu as commencé très très jeune dans le monde du rap. Très tôt, très très tôt. Ouais. J'ai commencé à rapper. 3-4 mois dès la naissance. Non, on va dire. J'ai commencé à faire mes premiers textes rap à l'âge de 9 ans, à peu près. Ouais, 9 ans. Tu as commencé déjà à écrire Je demandais de l'aide aux grands frères, aux grandes sœurs, surtout aux grandes sœurs. Ouais. Parce que j'avais des grandes sœurs qui étaient baignées dans le rap et qui me donnaient un petit coup de main pour écrire des textes. Bon, c'était des textes de gamins de 9 ans. C'était pas mal. Tout ça évidemment entre les devoirs de l'école. Bien sûr. L'école, le foot et aussi j'étais à fond dans le foot. Ah ouais. Donc il y avait l'école, le foot. Bon joueur. Le rap. J'étais très très bon. À un moment donné, tu t'es. J'étais pas un génie, mais j'étais très très bon. Ouais, j'étais parti pour faire une petite carrière dans le foot. Ah. Ouais, mais au final. Quel poste? Attaquant. Ouais. Bon, maintenant, vu ton physique, maintenant là, c'est plus possible. Non, c'est plus trop. Mais par contre, je garde un petit niveau, pas mal quand même. Ouais. Quand on fait des petits matchs de foot avec mes collègues, j'ai gardé mon petit niveau quand même. Et quand t'as démarré dans le rap, c'est qui t'inspirait localement à Marseille, nationalement, internationalement? Localement, c'était les Psychiatres de la Rime, IAM, FF. Ouais. Voilà, ça, localement, c'était ça. Enfin, c'était on écoutait, on enregistrait les sons inédits qui passaient dans les radios. Donc on était à fond dans Psychiatres. IAM, c'était les grands, quoi. Bien sûr. Ceux qui ont ramené le hip-hop à Marseille. La base, quoi. Ouais. Au niveau international, moi, j'étais plus du côté Dr. Dre, Eminem, 50 Cent. J'étais bien inspiré par ça. Et un peu, j'étais aussi beaucoup, grâce à mes sœurs, j'étais à fond dans les Fugees. Fugees avec Lauryn Hill et tout. Bien j'étais sûr. Vraiment. D'accord. J'ai plus baigné le côté dedans, quoi. Soul, alors. Soul, ouais, j'ai baigné. Franchement, on est une famille. Il y avait énormément de musique à la maison. Énormément. Et tu avais un groupe aussi à l'époque? Oui, un groupe qui s'appelait Escrim. Hein, tu es toujours en contact? Non, c'est oui, fini. Toujours. Non, on est en contact, mais on ne travaille plus trop ensemble. Il a ses projets, j'ai mes projets, mais on est toujours en contact, quoi. D'accord. Et ensuite, tu as abandonné les études. Tu t'es dit, le rap, la musique, c'est le plus important. C'est ça que je veux faire. En fait, j'étais vraiment passionné. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lançais dans quelque chose, mais c'est ma passion qui prenait le dessus, quoi. À chaque fois que je me lançais sur un projet, ben il y a ma passion qui me tirait. Ouais. Ben au final, ma passion elle m'a mené, elle m'a fait quand même bien avancer. Et parmi tes projets, c'est toi qui es à l'initiative à l'origine des rassemblements. C'est ça. C'est quoi le concept des rassemblements? Alors les rassemblements, ça a commencé pendant mon premier album, mon manuscrit. C'était la première fois que j'ai énormément de lumière. Donc du coup, je me suis dit, je peux pas garder cette lumière. J'ai besoin de partager. Moi, je suis vraiment, j'ai vraiment été éduqué par l'époque hip-hop, partage, mélange. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais des jeunes talents dans les quartiers qui n'étaient pas connus. Et est-ce que maintenant ils le sont devenus? Et maintenant, ils sont devenus connus. Ouais. Ouais. Mais je cherchais des petits talents, j'allais dans les quartiers, je cherchais des petits rappeurs. Et quand je trouvais des petites pépites, je faisais un son avec 6 ou 5 rappeurs et je chantais avec eux. Mais vu que moi j'avais une certaine notoriété déjà, donc ça a créé un engouement. D'accord. Et de là... Tu étais un peu le grand frère, l'éducateur musical. Exactement. Ouais. Exactement. Et j'étais éducateur aussi, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a des connexions. Ouais. Musique sociale, c'est un mélange des deux peut-être. Ça, dans le premier album, c'est dans ce premier album qu'il y a la danse de la moto? Non, la danse de la moto, c'est un single qui est venu un petit peu plus tard. D'accord. Ouais. On va l'écouter ce titre que j'adore, avec qui n'est pas du tout rap. On en parle juste après. Hein. MOH, notre invité aujourd'hui, dans le Grand Bazar sur Maritima. On revient très vite.
de la moto avec MOH, notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritime. Alors ça, c'est pas du tout rap, c'est plutôt afro. Ah, ouais, ouais, c'est plutôt afro. Hein. Ouais. Un titre de 2017, hein, il y a 3-4 ans. C'est ça. Plus de 3 millions de vues. Ouais, c'est énorme. Pas mal. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Franchement, ouais. C'était à la base, c'était un délire entre potes. Et du délire, on l'a posté sur Instagram, ça fait un... Le délire, c'est quoi? Parce que vous êtes fan de moto de... Ouais, non, on dansait, le truc... on a un collègue à nous qui est vraiment fan de moto, et du coup, il dansait, je faisais le... Après, je faisais pas des rodéos, j'espère. Non, même pas, c'est juste il dansait, et je me suis dit, c'est pas mal, ça. Et du coup, c'est cette idée-là, c'est parti de là, quoi. Alors, le clip en partie tourné sur un circuit de cross, j'ai cru reconnaître le circuit de cross de Châteauneuf-la-Mède. C'est ça, je pense bien, parce que j'ai fait tellement de tournages, comme on disait, j'ai fait tellement de tournages que je me souviens plus. Putain, ça, c'est mon manager qui va me dire, tu te souviens plus de l'endroit? Non, j'ai fait tellement de tournages que je me souviens plus des endroits. Et dans le clip, avec le blouson de moto de cross, ah ouais, on était à fond vous avez dedans. Fait quelques tours, quelques loopings. Non, après. Même pas, on n'avait pas le temps. On était tellement dans le speed du tournage. Je pensais me dire non, c'est pas possible, je fais pas de moto. Non, on n'a pas eu le temps. Non, on n'a pas eu le temps. Franchement, je serais allé de bon cœur, moi. Ah oui. Boum, comme ça. Ah ouais, je serais allé de bon cœur. Mais là, le manager, il me dit on n'a pas le temps, on doit terminer. On avait énormément de prises à faire, donc du coup, on a dit merci à l'équipe. Et c'est après ce titre que vous avez signé, que tu as signé sur le label 13e Art Music. Ouais, c'est un petit peu plus tard. Ouais, le label marseillais. C'est ça, 13e Art. Ouais, qui te suit donc depuis 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Avec notamment le nouveau titre Top Boy. Top Boy, exactement. Avec en featuring Elams et Tabiti. C'est quoi l'histoire de ce morceau? C'était pendant le très organisé, là, sur Marseille, il y a vraiment. Tu fais partie de la bande? Je fais partie de la bande. Avec Jules. Ouais. C'est ça. Et il y a vraiment une ambiance, mais incroyable sur Marseille, entre les artistes, un mélange, on se voit souvent, il se passe un truc, quoi. Et du coup, c'est des connexions. Après l'album, il y a eu plusieurs connexions. Tout le monde, des featuring, des trucs, que des ondes positives. Et du coup, j'ai eu une idée. Hop, j'ai appelé les gars. Et là, c'est Tabiti. Les gars, j'ai une idée, j'ai un truc. Allez, let's go. On est allé en studio et ça a donné un truc. Mais 300 000, plus de 300 000 vues en 3 semaines. Tu exploses les compteurs, là, c'est MOH. Pas mal. Je suis content, franchement. Parce que ça peut être un tube, ça. J'espère. J'ai le nez. Ouais. J'espère que tu l'as aussi. Tu penses que ça va cartonner, ça. Je pense. C'est bien parti pour. Le clip tourné aussi dans les quartiers nord de Marseille, là. Ah oui. Ouais. Quartier nord et centre-ville aussi. On a tourné une partie dans le centre-ville. Et tu disais, je reviens à bande organisée, parce que je me souviens, il y a beaucoup de clips qui ont été tournés ici dans les studios, Provence Studio à Martigues. Ah oui, j'ai entendu. Ah oui. Non, j'y étais pas, toi, mais tu étais pas? C'est des collègues. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a un studio. Tous les artistes, on parle de ce studio. Ouais, Jules Soprano qui est passé par là. Ah oui. On fait pas que des films à Provence Studio à Martigues, on fait aussi des clips, beaucoup d'artistes urbains comme toi, comme la bande à Jules. Alors ce titre Top Boy fait partie donc du projet de Vatos Locos. C'est ça. Ça s'est fait en 2 parties. Il y a une première Exactement. Partie avec quelques titres qui est sortie fin novembre. C'est ça. C'était Vatos et Locos donc qui est sorti début mars. C'est ça. Avec ce titre. Exactement. Top Boy. Et Vatos Locos, tu me disais tout à l'heure en off, c'est le nom d'un film. Ouais, c'est le nom d'un film. Et sur Marseille, on s'appelait comme ça. C'est un style, Vatos. Et du coup, on a gardé ça, quoi. Et le projet, je l'appelais comme ça parce qu'on s'appelle comme ça. Donc, c'est un délire dans les quartiers nord. Et du coup, j'ai gardé ça. 13 titres, parce qu'on fait référence au département 13. C'est ça. Hein, heureusement qu'on n'est pas dans le 75, sinon on aurait fait. en galère. 75 titres. Il y a toujours d'ailleurs cette rivalité entre rappeurs du Sud et rappeurs de Paris, Île-de-France, où ça va. On va dire que c'est pas que dans le rap. Hein. Ouais. Cette rivalité, oui, elle est aussi dans le monde du foot. Pas que le foot aussi. Franchement, je sais même pas comment l'expliquer. Mais c'est une rivalité qui perdure. Mais bon, moi, je m'en fous un peu. Hein. Moi, j'ai des potos parisiens. On fait des sons, on s'échange des trucs. Donc, je suis pas trop dans ce truc-là. D'accord. Ouais, je suis pas trop dans ce truc. Et alors, dans Top Boy, bon, ça s'appelle Top Boy, ça s'appelle pas Top Girl. Bizarrement, il n'y a pas de femmes, hein, ou très peu dans ce clip. Parce que d'habitude, de l'équipe de rap, il y a souvent. Bon, il y a les belles voitures, évidemment, mais il y a souvent les femmes aussi. Là, pas beaucoup, hein. Non, c'était pas trop dans l'idée du clip. Quand j'ai écrit le scénario avec Daniel Mzessa qui écrit tous les scénarios avec moi. D'accord. Ouais. Et quand on a écrit le scénario, non, on voyait pas trop de meufs et tout. On aurait pu, mais on n'était pas parti pour. C'était un petit scénario sympa entre nous. D'accord. Merci MOH d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci pour l'accueil. Ça incroyable. A été un vrai plaisir et on l'écoute, on le regarde aussi ce clip, ce titre Top Boy MOH avec en featuring Elams et Tabiti. Salut à tous et à bientôt sur Maritima dans le Grand Bazar.